va lire ça. Un long jump, alors que normalement ce n'est pas possible de faire ça après un spin dash. Et ça permet de faire des choses totalement folles. Bon, je pense qu'il va bientôt commencer. On se met en place. Alors là, il est au taquet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il porte un casque. Il porte un casque sur les oreilles pour une raison, c'est qu'il y a des petits tricks sonores qu'il faut maîtriser dans le jeu pour pouvoir justement tirer à bon, au bon moment ou se téléporter au bon moment. Et c'est parti. Ah. Allez. Allez, il est au taquet, il est au taquet, Exem. Ça fait plaisir de voir un runner aussi, aussi enjoué qui prend autant plaisir à participer à la GDQ. Bonjour à tous sur le chat, hein, pour ceux qui arrivent. Alors premièrement, que se passe-t-il? On va s'équiper de toutes nos compétences. Il s'équipe des bottes déjà, car elles ne sont pas équipées par défaut. Et il a équipé ses armes, toutes les armes qu'il va utiliser pendant le jeu. On vient tout juste de passer une cinématique déjà, les amis. En fait, dès qu'on arrive, on fait un saut entre un arbre et une pierre et on saute et on passe une cinématique. Et voilà, et on a déjà fini quasiment le premier niveau. Le premier niveau se finit en 1 minute et 2 secondes. C'est extraordinaire. Moi, je peux faire le point scénario, si ça vous fait plaisir. Enfin, vu le nombre de trous qu'il y a, je pense que ça sert à rien. Donc, en fait, évidemment, les bottes chargées vont nous être très utiles pendant toute la durée du jeu. On va uniquement dasher. On ne va pas arrêter de faire ça, puisque c'est ce qui nous permet de finir les niveaux le plus rapidement. Il vient déjà de se fail. Pas vraiment. Franchement. Il a raté un petit saut, mais ça il a raté. Ouais, il a perdu 10 secondes. Difficulté, premier OB, regardez ça. On rentre en vue à la première personne, on tire à nos pieds, et voilà, et on est déjà passé à travers les murs. Et c'est la fête du jeu. On a pas le temps de se mettre en place. Voilà. Là, c'est bien le bordel. En gros, il a fait un spin dash qu'il a cancel avec son arme. Il a redirigé sa caméra à la suite du tir qui a cancel son spin dash. Et il a fait un long jump qui lui a permis de garder la vitesse du spin dash en plus du long jump. C'est ce qui lui permet de faire ce saut totalement débile. Ce qui lui permet de skipper toute une phase où il devait tuer un certain nombre d'ennemis. Alors, si vous avez vu une porte, il n'y avait pas de porte. On peut sauter juste derrière, tout va bien. Aucun problème. Pourquoi vous faisiez le tour, vous preniez le chemin normal? Mais non, mais non, mais attends, il y a un trou derrière la porte, on passe derrière la porte, c'est tout, quoi. Enfin... Moi, ce qui me fait chier, c'est que des séquences comme ça, tu peux y passer à chaque fois 10 minutes et lui, il te le fait en 2 minutes 20. Non, en 2 minutes. Alors là, le boss, c'est fait one shot. Voilà. Alors oui, alors là, il y avait un boss. Voilà. Il se trouve qu'avec son arme qui est au rang maximum, vu qu'il est en New Game Plus, toutes ses armes sont maxées à fond, son arme est assez puissante. C'est un tir qu'on peut charger, et en chargeant le tir, elle est assez puissante pour one shot le boss. Voilà, vu que l'arme est au maximum, il suffit. Ça veut dire quoi dasher? Dasher, c'est ce que vous voyez là en fait, c'est lorsqu'il fait des sauts projetés vers l'avant en utilisant ses bottes chargées. Ça, c'est quand il accélère. Là, regardez, un nouvel OB, une fois de plus, même technique, hein, voilà. Alors là, ce niveau est très important, assez unique dans les RGD Clans, puisque c'est un niveau dans lequel on revient plusieurs fois pour chercher différentes coordonnées pour d'autres planètes. Normalement, les coordonnées, on les a dans un ordre spécifique. Mais là, il va faire quelque chose qui est vraiment, vraiment pas prévu pour le passé. C'est vraiment pas gentil. Il va accéder à un endroit du vaisseau où il n'est pas censé accéder avant avoir fait 4 autres planètes à l'aide d'un long speed dash plus long jump plus son item. Si ça passe, oui, si ça passe. Premier coup. Et là, il se retrouve dans le camp d'entraînement virtuel qui n'est pas censé être là avant, comme j'ai dit, 4 planètes. Et à la fin de cet entraînement virtuel, il va obtenir les coordonnées de la cinquième planète. Donc là, techniquement, il va skipper 4 planètes. Donc là, vous voyez, il n'est tellement pas censé être là que le décor n'est même pas chargé. Voilà, là, on active la cinématique justement pour charger le décor. Là, il vient de les coordonnées de la planète Dax, s'il vient de sauter 4 planètes. Voilà. C'est assez extraordinaire. C'est là. Dans les 3 premiers Ratchet & Clank, c'est le seul endroit, et ce n'est possible qu'en New Game Plus, vu que sinon on n'a pas les super bots. C'est le seul endroit où on peut vraiment skipper...
des planètes qui sont censées être totalement sur la route. Coucou, je casse le jeu, c'est exactement ça. Et voilà, donc du coup, on va pas valider notre passage sur cette planète pour aller à Dax. Bah, d'ailleurs, il a fait une petite erreur, il est allé sur Marcadia en premier alors qu'il ne doit pas y aller tout de suite. Parce qu'en fait, il a skippé 4 planètes, mais il y a un défaut, il y a quand même 2 des 4 planètes sur lesquelles il va devoir revenir pour chercher certains items. Il est quand même obligé de passer sur 2 planètes, oh là là. Ce serait bête, il aurait carrément... Regardez cette optimisation, voilà, ça saute bien là. Voilà. Spin dash plus long jump, ça donne une accélération monstrueuse. Là, il vient littéralement de skipper toute la phase de la planète. Voilà, donc là également, hein, c'est pas un OOB parce que le jeu le permet plus ou moins, mais c'est juste une exploitation vraiment du saut qui est vraiment faite de façon optimisée. Alors ce boss peut être fait en un seul cycle, dans son record du monde, il le fait en 2 cycles. Parce qu'il se fait un tout petit peu, il se fait un tout petit peu avoir. Ah, dommage. Est-ce qu'il va devoir refaire le boss, je sais pas. Ok, donc là il vient d'obtenir les cordes d'une planète, mais c'est pas fini, toi. Généralement, par planète d'Arajasiko, il y a toujours une ou deux missions. La plupart du temps, c'est 2 missions. Ça arrive qu'il y en ait qu'une seule, c'est assez rare. Oui, c'est assez rare, c'est pour ça que je le dis. En général, c'est 2 missions. La plupart du temps, c'est une qui permet d'obtenir les cordes d'une planète et l'autre qui permet. Encore un OB. Alors, comment fonctionne l'OB? En fait, c'est simple. On pose simplement un petit robot tireur de missiles qui va nous pousser à travers le mur. C'est comme ça qu'en fait, on arrive à passer les portes et à passer les murs. En gros, on pose une tourelle de façon à se retrouver entre le mur et la tourelle. Et le jeu, c'est pas trop quoi faire de Ratchet. Voilà, la tourelle le pousse, elle le pousse de l'autre côté du mur. C'est ça l'idée. Alors le world record, le record du monde sur le jeu, il est à 33 minutes 18. Je dis pas de bêtises. Attends, j'étais dessus, c'est 33-18, tout à fait. 33-18 sur PS2. Alors là, vous voyez, avec le triple saut, on peut passer cette porte directement. Ah non, pour faire toute cette planète, normalement, il a besoin d'un gadget spécifique qu'il n'a pas, c'est fort dommage. Et du coup, pas besoin, il va juste passer en force comme ça. J'ai une question peut-être qui paraît un peu idiote, mais c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux deux. Est-ce que c'est pas le premier jeu où on peut justement marcher sur une planète comme sur Mario Galaxy? Si, tout à fait. Tu peux en effet marcher sur les murs dès lors que tu as le bon objet. Non, je voulais dire, c'est pas ça que je veux dire, marcher comme un style de planète, comme dans Mario Galaxy, c'est-à-dire qu'on voit que le décor est en bord de planète. Oui, tout à fait. Je sais que dans certains niveaux, mais je sais pas si c'est dans le aussi, on contrôle un clang géant pour détruire, je sais pas si c'est un boss ou n'importe quoi. Ouais. Je sais plus si c'est dans le 2 ou le 3. C'est dans le 2. Ça apparaît dans le 2 aussi. C'est dans le 2. Par contre, ça apparaît pas dans le speedrun. Alors, oui, ça apparaît pas dans le speedrun. D'accord. Merci. Alors, les deux planètes suivantes sont celles qui contiennent le plus de missions. Merci, Sam. Du coup, là il va à Blackwater City, qui est une planète assez spécifique vu que c'est juste une série de missions à faire. C'est pas vraiment aller au bout de la planète ou quoi, c'est vraiment des missions à remplir. Il y a deux fois dans le speedrun où il aura des choses comme ça à faire. Et donc la plupart du temps les missions c'est de détruire des vagues d'ennemis jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, il a déjà les armes au max, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, c'est un New Game Plus. C'est ce que j'allais dire. Alors voilà, sur cette planète-là spécifiquement, on va devoir céder de ce que nous dit notre robot. On va avoir en fait de ce que nous dit Clank, tout simplement, on va avoir des indices sonores qui vont nous dire quand tirer et à quel moment. Là, évidemment, étant donné qu'on a le snipe, on va l'utiliser. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux que de se lancer corps perdu dans la bataille. Surtout que ce qui est très important, c'est que avec le sniper, il peut détruire en un coup les vaisseaux de transport qui arrivent. Exactement. Et en faisant ça, ça lui permet justement de ne pas avoir à tuer tous les monstres qui devraient sortir normalement du vaisseau de transport. Et en New Game, cela n'est pas possible parce que le vaisseau de transport, c'est juste trop résistant. Les armes ne sont pas assez fortes en New Game pour, à ce moment-là du jeu,
pour pouvoir le détruire avant qu'il ne lâche les unités. Alors donc là il a fini la première mission, donc il passe à la deuxième. Je sais plus s'il y a 3 ou 4 missions à faire. Donc c'est la deuxième, mais de toute façon c'est là, c'est toujours un peu la même chose. Sur cette, c'est juste de la défense de palais parce qu'ils se font attaquer en fait. C'est de la défense de zone. On appelle carrément l'armée et Ratchet vient en renfort. En fait. C'est ça. Mais bon, vu que Ratchet était équipé comme une armée entière. Vive le TELT, le t'éclater la tronche. Ah, cette arme. Elle coûte hyper cher, mais sans déconner, les dégâts qu'elle fait, c'est hallucinant. Le Rhino en anglais, je ne sais pas. Ça doit être quelque chose comme Rip Your. quelque chose comme ça. Alors, une arme qui est. Alors, je ne sais pas si vous entendez le. Je ne sais pas si vous entendez le son du jeu, mais du coup, vous avez les voix en espagnol. Et c'est assez c'est fun très d'entendre. Perturbant. Non, mais c'est assez marrant. Bon, ça c'était la troisième mission. Parce que c'était bien la dernière. Donc, maintenant qu'il a fait ça, il retourne sur Marcadia, là où il était allé par accident tout à l'heure. Et Marcadia, donc, c'est une des quatre planètes qu'il a skippées. Mais il est obligé d'y aller parce qu'il a besoin d'un vidéo comics. On expliquera peut-être après ce que c'est. Mais il a besoin d'avoir celui qu'on obtient cette planète. Pour ça, il est obligé de faire. Voilà, c'est un passage obligatoire. Et ça, justement, c'est le deuxième passage avec les missions. Sauf que là, ça va vraiment être. Voilà, ça va être. Sur cette planète, si j'ai bien compté, il y a 3 missions au total. Mais avec le snipe, ça va se faire vaporiser en 2 secondes. Bah, donc, là, sur là, toute une zone où il doit enchaîner des missions. Et il doit y avoir 5 ou 6 missions enchaînées. Ouais, dont une qui est un auto-scroller de 2 minutes. Oui. Donc là également avec le snipe, on va anticiper l'arrivée des vaisseaux et on va les tuer dès la première seconde possible. Ce qui va évidemment nous faire gagner énormément de temps. Ah là, du coup il n'y a plus que les petits vaisseaux à détruire qui sont détruits très vite. Comment marche le défi sur la gauche? Attends. Allez-y, vas-y. À la fin des missions, je sais pas si vous avez vu quand il l'a fait, mais lorsque le jeu lui met que la mission est accomplie, il préfère faire start, quitter la mission, parce que ça lui permet de retourner dans le choix des missions, et il a tout de même accès à la mission suivante, plutôt que d'attendre, parce que attendre ça serait plus long que de faire quitter la mission. Voilà, hein, c'est un speedrun, d'accord. Donc évidemment, on optimise le temps au maximum. Donc là, pareil, je ne. Bon, les missions, de toute façon, c'est toujours. Oui, c'est grosso modo la même chose en fait. Hein. Détruire les hordes d'ennemis qui arrivent. Oh! C'est bon, il l'a eu. Il a eu peur. Alors là, vous voyez, il les tue vraiment à la première seconde possible. Hein. Il tire même avant que le vaisseau apparaisse. Le temps que le tir arrive au vaisseau, il est déjà détruit. Là, vous voyez, il a encore quitté pour. Voilà, et là, il lance la prochaine mission. Alors là, ce canon-là est un peu spécial. Parce qu'il faut anticiper la vitesse des balles. Donc, du coup, il faut tirer un peu avant le vaisseau pour qu'il puisse se faire toucher. Pour ceux qui ont déjà joué à des jeux de vaisseaux spatiaux, ce genre de choses, vous savez exactement de quoi l'on parle. De toute façon, je pense que c'est assez clair, les balles mettent un peu de temps avant d'atteindre la cible, donc il faut anticiper les mouvements pour exactement. Que les balles touchent. Le runner qui dit la confiance, c'est la clé. Donc là, il n'a pas le choix, il est obligé. On le place d'office dans la tourelle et il ne peut pas la quitter. Donc, voilà, mission accomplie. Voilà. Encore 2 missions normalement. Ici pendant 2, la tourelle, enfin scénaristiquement, la tourelle a été endommagée, il faut que les robots la réparent, ils doivent les protéger pendant 2 minutes, donc c'est ça la mission d'autoscroller dont je parlais. Vous voyez que même un tir de Telt, c'est pas assez pour détruire un vaisseau de transport. Alors qu'un tir de sniper, dommage. Sachant que Telt c'est vraiment. Le t'éclater la tronche, c'est l'arme la plus balèze, enfin c'est censé être l'arme la plus balèze du jeu. C'est ça, mais en fait il se trouve que les snipers c'est aussi. Totalement pété dans les Ratchet et Clank. On nous demande si on peut réexpliquer la technique de déplacement.
Ouais, alors la technique de base, il a les super bots équipés, donc il peut faire un spin dash en appuyant deux fois sur R1. Ça, c'est un truc totalement prévu par le jeu. Ensuite, là où ça devient un peu craqué, c'est qu'il peut arrêter son spin dash en cours de route en faisant un tir avec une arme spécifique. Et ça lui permet de garder la vitesse du spin dash tout en pouvant soit changer la caméra de direction, soit en faisant directement un long jump, c'est-à-dire dans le jeu Oui, ça se fait en non, je vous absent R. rassure, je rassure les gens. Le runner est en train de chanter. Parce qu'il essaie de me Tout boucler à deux fait. minutes en fait. Il me semble qu'il y avait Tout à fait. il me Il semble qu'il y avait y, y, un. y avait une initiative là-dessus. Ouais, il y avait une incentive là-dessus pour savoir quelle chanson est-ce qu'il allait C'est chanter. ça. Et je vous avoue que je ne reconnais pas la chanson actuellement interprétée. A priori, la chanson c'est Main Simon, Main Wyon. Je ne sais pas ce que c'est. Main Pièce de Seinen, Main Miracle. Warnen de Eric Pièce Wolfgang d'opéra Kornung. classique. Ok, merci Itz, je ne vois pas du tout ce que c'est. Ah, c'est sûrement Non. les Allemands qui ont gagné, alors je suppose. Et là il dit, attendez, attendez, il faut que je me concentre. Ah, il te fait ça avec l'accent et tout, hein. Alors là, la dernière mission qui va être un peu plus intéressante dans le sens où il doit juste activer Voilà, il doit juste activer des boulons. Les boulons, sachant que quand il tourne un boulon, s'il se fait toucher, Le reprend depuis le début. il doit reprendre depuis le début du boulon. Là, par exemple, il vient se faire toucher, c'est raté. Voilà, pour plus de sécurité. Alors cette arme, c'est un bouclier qui permet de à la fois de blesser les ennemis proches et également De se protéger. de se protéger surtout. Et donc tant qu'il a ça, il ne se fait pas. Il peut continuer de tourner le boulon même s'il se prend quelques tirs. Le runner est trop classe, mais oui, il est trop classe. Allez le voir sur son stream, il est fou, ce mec-là est fou. Ah, puis pendant ses streams, en plus, il diffuse de l'excellente musique, puisque la musique du jeu commence un peu à le fatiguer, vous pensez bien, à force d'y jouer. Alors là, Donc il va il faire passe quelque de chose. l'excellent électro jazz. Là, c'est le dernier boulon, il va. Ah, il s'est fait Son toucher. bouclier a cassé. Il va. Deux fois. Je pense qu'il va les tuer. Allez, Ça bim, va être. voilà, ça c'est vu. Voilà, C'est laissez-moi fait. bosser. Là, il va faire quelque chose de très important. Il va pas faire comme d'habitude, quitter la mission, tout ça. Il va attendre un bon timing. Et pour ceux qui ont vu le run de Ratchet & Clank 1, il va faire ce qu'on appelle un Ghost Ratchet ou Zombie Ratchet. C'est-à-dire, juste avant que la cinématique ne se lance pour lui dire bravo, vous avez défendu, vous êtes trop fort, il s'est jeté dans la boue qui normalement one shot. Mais avant que l'animation de mort soit complète, la cinématique s'est lancée. Du coup, le jeu considère qu'il est en vie, mais il Mais est qu'il est aussi mort. mort, quoi. Donc, il a un peu de mal à gérer la physique, tout ça, et ça fait qu'il peut traverser les murs. Voilà, en fait, le Ratchet est devenu une sorte de fantôme, hein. Ce n'est plus tout à fait lui-même. Et vu qu'il a disparu tout simplement de la réalité, il peut traverser tous les murs. Où ça, des murs? Mais il n'y en a plus. Et sachant que c'est important qu'il fasse ça, parce que sinon il aurait, sans être en Ghost Ratchet, même avec son lance-tourelle, il aurait beaucoup de mal à traverser les murs, parce que ces murs sont assez assez épais et difficiles sont à. assez difficiles à passer en OOB, tout simplement. Alors on va voir aussi une autre spécificité du New Game Plus qui là pour le coup est très importante, c'est que les vidéos comics, où on est censé jouer Quark dans un univers 2D, ce sont des mini-jeux mais qui durent plusieurs minutes chacun, et il y en a 5 en tout. Dans New Game Plus, on n'est pas obligé de les faire. On peut Voilà. simplement En partir sortir. et c'est bon. Le mec se transforme en Casper, exactement, c'est ça. Le seul défaut du Ghost Ratchet, c'est que on ne peut. On ne le conserve pas quand on change de planète. C'est-à-dire là, actuellement, il ne l'a plus. Voilà. Là, il vient de finir les coordonnées de la troisième planète du jeu, c'est-à-dire une des quatre qu'il a skippé, qu'il a skippé tout à l'heure en allant dans le terrain d'entraînement virtuel. Bah oui, c'est dommage, le New Game Plus rend la run moins intéressante, oui, mais la rend beaucoup plus craquée.
Moins intéressante, plus rapide, moins intéressante, je sais pas, sachant que au bout d'un moment les gars. Ce qu'il n'y a pas en New Game Plus et qui est très chiant du game, c'est que vers la fin il est obligé de passer du temps à farmer pour monter ses armes, sinon il ne peut. Ses armes sont juste pas assez puissantes pour faire tomber le dernier boss. Ça on n'aura pas de session farming, ça c'est le très bon point. Mais sinon à part ça les runs sont. À partir du moment où on obtient les super bots, les runs ne sont pas si différentes que ça. Voilà un petit boss dans... Voilà, qui va se faire vaporiser. Tout à fait. Atomiser, vaporiser, choisissez votre mot. Rayez la mention inutile. S'il y en a. Donc ça c'était la deuxième des 4 planètes qui a skippé. Il a aussi été obligé d'y aller pour avoir un vidéo comics. C'est très chiant, mais il est obligé d'avoir tous les vidéos comics dans l'ordre pour pouvoir... tenir les cornes équivalent. Et donc les deux autres planètes sur les quatre, par contre, elles, on ne les verra vraiment pas. Va-t-il faire le code pour mettre Quark quand tu tues? Je ne sais pas. Ce n'est pas prévu. Ah ouais, c'est dans... Quel boss j'ai pas vu. Oui. Oui, c'est trop rapide, mais oui, je suis désolé. Des monstres, parce qu'ils ressemblent à des monstres pour toi. Alors là, un petit classique des jeux Ratchet & Clank, les périodes où on contrôle on a Clank, en tout cas. Tout à fait. Qui sont des périodes très chiantes dans Ratchet & Clank 1 et 2, et dans le 3, ça va. C'est pas trop long, c'est dans Ratchet & Clank 1, mais mon dieu, c'est... Mon dieu. Oui, oh, c'est passé. Oh, ça a passé juste, mais c'est passé. Du coup, il a réussi à faire toutes ces zones sans le singe, alors que normalement il en a besoin. Et vous voyez qu'on peut passer également par la droite, hein, plutôt que de prendre le niveau en entier, ce qui permet simplement hein, de skipper de nombreux pièges. On n'a pas précisé aussi, mais là il joue sur PS2. Oui, il joue sur PS2. Parce que sur PS3, il y a un certain nombre de glitches qui sont corrigés, notamment, ou plus dur à faire en tout cas, notamment traverser les murs à l'aide du gant à tourelle. Et ce qui fait que pour Ratchet & Clank 2 et 3, tous les runs sont faits sur PS2, car PS3 n'a pas d'intérêt, mis à part que les glitches sont plus durs. Oui, parce qu'en fait sur la PS3, ils ont refait le moteur pour upgrader le jeu en HD, hein, entre guillemets, et de ce fait, ils ont revu également le système de collision entre ennemis, personnages et objets. Ce qui fait que les collisions sont beaucoup mieux gérées sur PS3 que sur PS2, ce qui empêche justement de pouvoir passer les portes en posant une simple tourelle. Mais par contre, sur Ratchet & Clank 1, il est plus rapide de jouer sur la version PS3, ce qui fait que pour Ratchet & Clank 1, on a deux catégories différentes. On a les runs faits sur PS2 et les runs faits sur PS3. Alors, déjà, sur PS3, les chargements sont bien plus rapides. Alors, pendant qu'on parle, on voit que tranquillement, il passe à travers les murs, il arrive directement à la fin des niveaux au lieu de faire tout le tour. Il faut voir que la fin du niveau se trouvait juste quasiment à côté du début, donc pourquoi se taper tout un niveau alors qu'on peut juste passer à travers un mur? On trouve des choses spécifiques au Spyro 2 et 3. Alors là, on est dans un niveau un peu F0, j'ai envie de dire, où la gravité est complètement inversée. Il faut faire très attention au bord de mur pour ne pas se faire vaporiser. Voilà, on a des gravity bots, ce qui fait qu'on adhère au sol et donc on ne tombe pas même si on tourne en gravité. Je trouve ce niveau vraiment magnifique, assez psychédélique dans la mise en scène, c'est vraiment magnifique. C'est tout. Là, on va le voir faire quelques petits skips à coup de super. Regardez ça, on n'est pas censé être là, mais regardez, on va une fois plus utiliser notre home. Et voilà, on est encore passé à travers les murs. Et là, on va directement arriver jusqu'à la fin qui n'est même pas encore chargée. On va arriver à l'idée c'est vraiment de taper dans le mur pour rentrer dans les limites physiques du jeu. Et maintenant un boss qui ne va pas se faire vaporiser aussi vite que les autres car il va envoyer quelques... On va enfin voir un boss. C'est vrai, depuis tout à l'heure, m'entendais ça, je disais rien, je me laissais parler et tout, mais moi j'attends les boss depuis tout à l'heure. On va le voir parce qu'il envoie quelques sbires pour se faire vaporiser avant lui. Voilà.
C'est, voilà. C'est une bonne technique de survie, j'ai envie de dire. Bon, c'était rapide quand même, hein, mais bon. C'est un avion, c'est un oiseau. Non, c'est Ratchet & Clank. Du coup, c'était. Il n'y a plus que deux boss, si je ne dis pas de bêtises. Dans... Non, tu ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Plus que deux boss là, dans le jeu, sur les 5 ou 6. Total. Solide le boss. Alors, il va faire un skip très intéressant. Il va forcer passer à travers ce mur. Ce qui fait qu'il réussit à traverser le sol. Et en fait, dans cette map, on est censé déclencher une cinématique plus tard pour se retrouver dans un vaisseau. Mais il se trouve que physiquement, le vaisseau en question, il se trouve juste en dessous de l'endroit où on commence sur la planète. Voilà. Sauf qu'on n'est pas du tout censé pouvoir descendre en bas, c'est vraiment impossible. Mais en passant à travers le mur comme il l'a fait, on peut y arriver. Et donc ça lui permet de... Bah déjà le vaisseau il n'a eu qu'à le faire que dans le sens retour, il n'a pas eu à le faire à l'aller. Donc en fait le trigger hein, d'activation d'entrée dans ce vaisseau se trouve juste sous le niveau, donc en effet le fait de passer en OB et de tomber à travers la lave permet d'atteindre ce point de chargement hein, du vaisseau. En fait, c'est comme ça que tout fonctionne. Normalement le jeu il faut... Il faut arriver au trigger qui permet d'entrer dans le vaisseau. Ensuite, il faut traverser le vaisseau une première fois. Arriver au bout, une séquence de destruction s'active, ça lance une cinématique. Et ensuite, il faut refaire marche arrière. Et là, juste en dessous du vaisseau, lui, il a directement déclenché la séquence d'autodestruction. Voilà. Donc, il a juste eu à le traverser une fois, le chemin retour. Alors, évidemment, pour trouver tout ce genre de techniques, c'est des heures et des années d'analyse de jeu, de décryptage du code du jeu, etc. Pour en arriver à ça, vraiment, c'est un travail de fou et je suis toujours impressionné de voir le travail des speedrunners pour arriver à craquer un jeu à ce point-là. Un petit skip rigolo. Là, il vient de sauter une cutscene qui est censée déclencher un moment important du jeu où tous les ennemis que vous voyez sont transformés en robots et deviennent beaucoup plus forts. Et en skivant cette cinématique, assez drôle, tous les ennemis de ce niveau, du coup, vont rester en forme... en forme animale et... En forme biologique. C'est ça. Alors que normalement, ça devrait être des robots. Donc voilà le quatrième boss. On est carrément passé à côté du niveau, hein, simplement en montant sur un mur et en passant par-dessus les murs. Grâce au New Game Plus, on peut se permettre de sauter plus haut et donc d'atteindre des plateformes qui, normalement, hein, sont censées être inatteignables dans un esprit de programmeur. La base, passer les murs. La base. À quoi servent les murs? Alors du coup, il a sauvegardé puis chargé la partie car sinon ça allait lui mettre plus de temps pour retourner au vaisseau à pied. Enfin, il allait peut-être avoir des soucis vu qu'il a pas fait le niveau dans le bon sens. Du coup, il y a des portes qui sont pas forcément ouvertes, des choses comme ça. Il a dû aller à San Francisco pour travailler. Qui a un job, am I right? Donc, on en est où? C'est que ça va tellement vite, on ne sait même plus où est-ce qu'on va dans l'histoire. Vous vous rendez compte? Ah, il va aller sur le site du crash. Le vaisseau dont on a parlé d'autodestruction tout à l'heure, il s'est crashé sur cette planète. Quark était encore dans le vaisseau. Et donc, on aimerait bien savoir ce qui lui est arrivé. Et là, il va faire un saut très... Bon, vous allez voir, très large. Ah, d'ailleurs, il s'est raté. Là, c'est dommage. Là, il peut même plus bouger son homme. Il est vraiment obligé d'attendre que le jeu décide de lui dire non, t'as pas l'air maître. Ah, raté encore. Le saut, comme vous voyez, c'est... Bah, déjà, vous voyez bien que c'est pas... Vous êtes pas censé pouvoir faire un saut comme ça. C'est bien. Ah, c'est vraiment un enchaînement de techniques. Hein. Je me projette, j'utilise mon arme, je me téléporte. Non, c'est vrai. Le spin dash plus le spin dash cancel plus le long jump derrière, c'est vraiment vraiment abusé au niveau de la distance parcourue. Là, il va faire le même chemin. Voilà, même chose. Voilà. Hop là, et ça passe tout seul. Ça passe. Voilà, grâce à ce genre de saut, en fait, on coupe vraiment des séquences entières de niveaux et on arrive directement à la fin d'un niveau, quoi. Ce qui est totalement impressionnant et ce qui est totalement imprévu, hein, on est bien d'accord. Enfin de la difficulté. Ok, donc.
Du coup, on retourne sur un autre vaisseau, le Phoenix, le vaisseau donc qu'on repasse souvent pour faire le cinquième vidéo comique. Mais bon, vous avez bien compris que... c'est plus ou moins le hub du jeu en fait. Hein. Vous activez toutes les missions. Grosso modo. Et vous trouvez toutes les coordonnées des planètes suivantes. Et c'est vraiment un certain nombre de coordonnées, mais c'est vraiment spécifique à Ratchet & Clank 3. Dans le 1 et le 2, comme on n'a pas de hub comme ça, on est plus ou moins obligé de faire toutes les planètes. C'est un enchaînement de niveau. Dès que ça, vraiment, c'est... Alors on retrouve au QG de Quark. Non, il y a tout un tour à faire, mais vraiment un truc monstrueux, mais nous, rien à faire, on va juste faire le niveau dans le sens inverse, et puis... Ça y est, on est à la fin. D'ailleurs, on a skippé une séquence avec Clank. Ça fait toujours plaisir de skipper cette séquence-là. Oui. Yo, so coming up, yeah, I always choke this planet for some reason. But glad I got it. This next part is Phoenix Rescue. So you've seen the Starship Phoenix over and over. It's like the central hub of the game. Now it's under attack by a bunch of robots, so we're gonna save it. And by saving it, I mean we're just going to ignore everyone and just go to the end. Alors, Phoenix qui se fait attaquer. Tout à fait. Donc là on est censé sauver le Phoenix, mais bon, vu que nous on est pressé, on va aller directement jusqu'à la fin du niveau. Voilà. Bah pour le coup, c'est vraiment ça qu'il faut faire, aller à la fin. Les ennemis qu'on a laissés derrière, c'est pas bien grave. Tu es censé plus ou moins les détruire quand même, quoi. C'est quand même ton vaisseau, t'as un peu envie de le sauver. Voilà, on arrive à la fin, pas de problème, tous les ennemis sont morts. Même si apparemment les robots continuent de tirer parce qu'ils se disent on sait jamais. ce qui fait qu'on est très proche de la... Il n'y a plus que 3 planètes. Il n'y a plus que 3 planètes, tout à fait. On approche très très rapidement de la fin. Et encore 3 planètes, même pas 2 planètes en fait. C'est... Bah, elles vont vraiment se faire vaporiser. Là, une fois de plus, regardez bien, c'est super technique. Oh, est-ce que ça... Oui, c'est passé. Oui, c'est bon, voilà. Sachant qu'il va faire un rajout en plus, il va faire du slope intercepting, qui est une technique qu'on voit très souvent dans Ratchet & Clank 1 et 2. En gros, avec l'helipack qu'il a, ça consiste à plus ou moins escalader les falaises. Escalader les falaises, voilà. Pour faire simple. Donc en fait, le fait que les falaises soient codées et qu'on puisse interagir, qu'on puisse se poser dessus, ça nous permet justement de profiter de cela pour atteindre des portions de niveau bien plus loin dans le jeu. Donc c'est vraiment un abus de collision, une fois de plus, hein, comme pour les OOB, c'est le même principe. C'est vraiment un abus de collision que l'on voit dans ce jeu et avec cette technique-là. Alors là voilà, la dernière planète. Alors là, on va faire un double saut à l'aveugle. Alors cette zone, il est censé avoir un gadget qui permet de faire une petite phase d'infiltration, plus ou moins, qui prend beaucoup de temps, mais on n'est pas là pour s'infiltrer. Et voilà. on est là pour premier coup. Ben là, on peut pas s'infiltrer. Ah, c'est beau. c'est vraiment, je vous jure que cette technique-là est très très dure à faire. Et c'est passé du premier coup, on est vraiment face à un type qui maîtrise bien son jeu, il maîtrise bien son speedrun, hein. Sincèrement. C'est du très très beau jeu ce que vous voyez là. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas à dire, c'est très classe. Il réussit tous ses skips du premier coup, c'est vraiment très très beau. Il s'est un tout petit peu foiré au début, mais là vraiment, on est sur un type qui maîtrise à fond son art. Bon, on change de lieu, mais on reste sur la même planète, mais on arrive au boss final, qui, incroyable, va résister un peu. D'ailleurs, en New Game, c'est à cause de lui qu'on est obligé de farmer les armes, parce qu'il est vraiment extrêmement résistant par rapport au précédent boss. Donc là, il faut donner 16 coups au boss, et lorsqu'il lui donne 16 coups, c'est time, donc... Comptez bien, ça va être très 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 rapide. Oui, c'est pas ce boss-là qu'il faut donner, Donc la première partie, il faut juste un peu le blesser, ça va. Ça se fait vite. Ça se fait rapidement.
Donc regardez, là il pose pas mal de tourelles qui vont pouvoir frapper le boss. Regardez la barre de vie du boss qui descend à toute vitesse. Alors que pourtant il est vraiment... Il est vraiment solide hein. Oh, comme ça. La dernière phase, normalement on doit monter dans un vaisseau pour frapper ce... Voilà, mais là on a un petit safe spot, donc du coup on va en profiter et on va lui chatouiller les hanches. C'est même pas forcément ça, le truc c'est surtout que il se trouve que notre sniper est tellement fort qu'il fait plus de dommages que si on faisait le boss de façon normale en montant 14, 15, et time. Voilà. 34-19, je vous rappelle que son PB est à 33-18. Il est une minute derrière. Il est une minute derrière le record du monde sur un run. Mais c'est son record du monde. C'est lui qui a le record du monde. Voilà, c'est ça. C'est assez impressionnant, mine de rien. Et voilà, et c'est le GG. Ah, vous pouvez vraiment applaudir dans le chat. C'est vraiment magnifique ce qui s'est passé. Mine de rien, c'était quand même, quand même une très bonne run. Parce qu'à une minute après le record du monde, c'était extraordinaire. Très peu de skips qui sont adressés du premier coup. Vraiment, c'était très très propre. C'était vraiment très 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 propre. On est 33-01 en offline training. Entraînement sans stream, on va dire. Tout à fait. Eh, mine de rien, ça... Ça a des potes, hein, les amis. Ça fait bizarre, hein, ça... Alors, qu'est-ce qu'on a su après Ratchet & Clank ? On a Jack 3, où tu restes là, l'ami Lapogne. C'est bien ça. Pour commenter ça, c'est en 1 heure, c'est en Any%. C'est Purple Sea qui va te rejoindre pour commenter ça. Ensuite, nous avons Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Shovel Knight... Mario Kart 8, Mario Kart 64, le TAS de Mario Kart 64, le TASBot, avec l'ami Real Myop hein, qui vous commentera tout ça évidemment, il s'y connaît à fond dans tout ce qui est TAS évidemment. Bref, un samedi très bien rempli et un dimanche de folie également. Pour ce week-end, la GDQ vous gâte, les amis, donc restez vraiment là. Je reste sur le chat, en tout cas. Vraiment, restez là parce que vous allez avoir le crème de le crème du jeu du speedrun. Vraiment, vous allez passer un excellent moment en notre compagnie et en la compagnie évidemment des speedrunners et des commentateurs. On est tous là pour vous faire passer un super moment. Sachant que pour information, c'est après la run de Jack 3 va être annoncé. TAS Video va faire pour le Summer Games and Quit 2015, une compétition de TAS en donner un jeu à tasser en 4 heures. Sachant que pour le coup, ça sera un jeu spécifique à un jeu créé spécialement pour cet événement. Donc ils vont donner un jeu comme ça, un jeu créé pour, et 4 heures pour faire le meilleur TAS possible, donc un temps très limité. Et à la fin, les deux meilleurs temps concourront contre deux joueurs humains qui ont eu 3 semaines, je crois, pour s'entraîner sur le jeu sans que personne d'autre ne sache quel est le jeu en question. Et c'est ce qu'on aura vers 22h, le TASBot vs Humans Mystery Game. Tout à fait. Petit point. On nous demande quand même c'est quoi un TAS. Un TAS est un Tool Assisted Speedrun. C'est un speedrun programmé sur ordinateur. Concrètement, ce n'est pas un humain qui joue, c'est l'ordinateur qui est programmé pour jouer de façon la plus optimale possible. Voilà, j'espère que l'explication est claire. Mais très clair, merci. Avant de passer la main sur Jack 3, l'ami Capoué, oui. on va remercier tout le monde. Oui, parce qu'on n'a pas pu vous. Hein. Voilà, merci à tous. Oui, merci à tous en tout cas.